Ah oui, tu fais les légendes et tout. Ah bah bien sûr, mais attends, faut ah, j'avoue, faut que faire ça joli. Bien vu, bien vu, évidemment. On est professionnels ici, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Ça démarre. Qu'est-ce que c'est que ce match-up là, je t'avoue que, Plante contre Mac, je t'avoue ne pas avoir vu ça souvent. Ok, les downbeats directement, ça met la pression. Oh, le counter Paris. Directement, des interactions qui sont assez surprenantes. Ça démarre sur les chapeaux de roue, Paris sur Paris. Sur Paris Boy, même si je dirais. Attention à pas donner trop d'infos évidemment parce que les joueurs n'ont pas de casque, je crois. Alors c'est bien de faire du cast mais pas du coaching, donc on va rester. je n'ai rien dit, j'ai juste dit que c'était du pari pour le moment. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah non, mais moi je dis ça pour moi parce que j'ai tendance à essayer d'analyser tout. Mais... Bref, on fait pas. Le KO Punch qui est là, attention parce que ça va passer. Non, la boule qui suffit à repousser la jauge. Ouh, ça c'était très très bien trouvé, le contre. Oh, évidemment, évidemment. Le contre. Parce que la Earthbox, donc le corps de Piranha Plant, certes il touche plus loin, mais aussi... Mais il s'extend. Voilà, exactement. Du coup, le counter a quand même touché la plante. Et ça, c'était très bien joué de la part de Mac. Ouais, c'est clair. Victouf qui n'a pas dit son dernier mot, il réégalise. Il régalise. Égalisation au niveau des stocks, léger avantage pour Mac. Super, super. Quel macaroni qui est au point sur les options défensives de Victouf. Il essaie de décharger. Ok, ok. Oh là là. Bien entendu, là. Et bien, pression avec les down tilt et tout. Il attend bien les air dodge et tout. Dommage, oh là là. Ce compte raté n'a pas été puni, on le voit bien ici. Caroni, le jeu de plateforme pour Little Mac est quand même assez impressionnant. C'est pour ça que Boule Ledge n'avait pas me chercher. J'avoue que c'est très bien joué de sa part. Pour l'instant, il prend l'avantage. Le contre sur la boule qui passe pas. Non, il est très carré, hein, très carré. Le down air. Le down beat, pardon. Hop. On essaye de reprendre le neutral pour la plante, c'est difficile. Macaroni met beaucoup de pression, beaucoup de pourcentage aussi. Ouais, il la lâche pas, il la lâche pas. Il la lâche pas ce. Si, il vient conclure la stock. Presque une stock complète d'avance. Une stock complète d'avance quasiment. Oh, ça va. Oh, l'armure de Little Mac. Attention, le KO Punch, on connaît. Ça peut partir en 3 coups. À tout moment, il peut prendre cette stock très vite. À tout moment, la rue. Up tilt, voilà. Il l'a trouvé, comme on l'avait dit auparavant. Magnifique, 2 stocks. Expéditive. Expéditive, ce match. Il s'est passé vraiment d'une façon très rapide. Exactement, très surpris par Macaroni. Macaroni qui a très bien joué ce match. Ouais, sincèrement, très carré, très facile. Très carré, tout à fait, exactement. C'est ça. Pas d'overextend, en même temps bon, il va pas aller se risquer à gérer la plante, mais... Tout à fait. Disons que la recover des deux personnages est un peu différente. Oui, bon. C'est clair qu'il va pas s'amuser à aller chercher loin, et ici on l'a bien vu, bien les pieds ancrés sur terre. Il a su attendre, et c'est un changement de personnage pour Victor. Ah oui, il prend Wii Fit, regardons. Oh, Wii Fit Trainer, d'accord. Wii Fit Trainer. Alors, peut-être pas confiance sur le match-up. Bon, alors Wi-Fi Trainer, on change complètement de dynamique là. Bah, clairement, disons qu'on va passer de projectile à. Bien projectile. De projectile. De projectile à plus de projectile. Exactement, très bien résumé. Guillaume Macaroni qui ne s'en démonte pas. Il démarre bien le match. Voilà. Il démarre bien le match, il le démarre même très bien. C'est un peu d'expérience, Wi-Fi, c'est un peu connu à Nancy grâce c'est à Maxi. C'est un peu connu, n'est-ce pas? Tout à fait. Peut-être qu'il a un peu de background. Peut-être le background, peut-être du coaching, qui sait-on jamais. Pourquoi pas un jour. Mais pour l'instant, ça démarre assez bien pour Macaroni. Ouais, clairement, il tient bien son avantage, il se prend quelques petits ça ballons joue avec par-ci les ballons, par là, voilà, mais... d'accord, ok, ça recolle au pourcentage. Okay. Oh, ça, c'est très malin, il utilise l'armor du neutral B pour éviter les. Il arrive les aussi coups, à le toucher d'ailleurs pour mettre les pourcentages. Oh là là. Ça, c'est très joli ça. Il l'a lu celle-là, mais alors, like a book, hein. Petit air dodge là, attention, ça peut partir très très vite avec le KO Punch. KO Punch qui peut mettre, qui peut sortir. C'est fini, deux stocks expéditifs, trois stocks à une. On point qui a maintenant l'avantage. Il doit maintenant le confirmer. Ouais, faut pas se laisser aller. Très très bel avantage pour l'instant. 16%. Victouf arrive à se défendre sur ce dernier stock. Et ça fait des trades. C'est l'avantage de Macaroni, les trades. Puisqu'il est en. Oh, le KO Punch. Non, le KO Punch est déjà de retour. Pas comme ça, Zenith. Mais là, il est mort. Là, il est mort. Non, il ne gère pas. Il a réussi. Tech pour aller un peu je plus pensais loin. Vraiment qu'il était trop loin. Axiro fait ça aussi pour aller avec Tamak pour revenir plus loin. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font un air. Bref, on s'en fout. Attention. On voit que Macaroni connaît sur le bout des doigts son personnage. Ah oui, bien sûr. Caractère spécialiste par excellence. Je pensais que c'était le cas de Victouf, mais visiblement, il a un petit second qui traîne. Un petit wifi. Second qui traîne. Et pour le moment, il monte de belles choses avec les ballons au niveau du ledge. Il arrive. Ça revient comme ça. Presque even. Attention, parce que Wi-Fi sur debriefing, évidemment, ça tape aussi fort que dans le coffre. Les stocks défilent une à une, seconde après seconde, ça va très vite. Hein. Ça va vraiment très vite, c'est presque even à nouveau. Bon, la volatilité du match est assez extraordinaire. J'avoue que je ne sais plus où donner de la tête.
Les ballons, ok, d'accord. Le counter loupé. Le counter, non, le grab loupé, pas puni, c'est spaghetti, c'est spaghetti. Ok, Macaroni qui est classé, qui veut vraiment Macaroni, mettre dedans. Il essaye vraiment de mettre ses coups de poing pixel. Le compteur pour dégager le ballon. Très laggy, c'est ballon. C'était pas bête, franchement, je pense. Pas bête. Attention, là, je pense un F-Silt aussi près sur Town, ça tue. Ok, ok. Ça, le KO Punch. Mais les deux joueurs sont un très haut pourcentage, ouais. Ça peut partir très vite. Hein. La site la stock globalement, quoi. Globalement, oh, non, le KO Punch est raté, la punition n'est pas trouvée. Il a pas besoin de ça pour tuer, il a pas besoin de ça. Cela dit. Cela dit, ça, là, ça va jouer avec les ballons. Ça joue avec les ballons. Victouf, il sait ce qu'il fait avec ses ballons, apparemment. Ok, ok, la pression. Beaucoup de pression, beaucoup le neutral. Waouh. Ok, Macaroni dans une situation assez délicate là. Une pression folle. Oh, le counter. Le counter encore une fois, pas puni. Oh, le timing qui est pas carré côté de Victouf, qui ça peut lui coûter cher. Les pourcentages montent, mais ça ne veut pas se déjouer. Oh, c'est le fer. Le fer est trouvé. F-tip de la Wi-Fi, bien joué. Bien vu à Victouf qui a fait un comeback. Victouf, le joli comeback. Deuxième stock là. Mais 3 stocks à 1. 3 stocks à 1, il a réussi à remonter tout ça. Alors, un bon spike aussi. Tout à fait, ce spike était très carré. Sur Little Max, ça. C'est carbone pas. Macaroni, pas spaghetti. Bon. C'est le back. Il a raison. Il a raison. C'est le salé. Si le match nous dit arrive 29, évidemment. Évidemment. Alors, du coup, nous sommes à un match à 1. C'est ici que tout va se jouer. Macaroni. Macaroni contre Victouf. Ah mais c'est du loser en plus, j'ai pas. C'est du loser tout à fait, donc c'est celui qui perd ce match sera out. Gros enjeu là. Gros enjeu. Victouf décide de garder sa Wi-Fi. Il ça se sent bien passé. Ça s'est bien passé justement. Très bon comeback, en plus adaptation sur la fin, on va voir si Macaroni va trouver les réponses au style de jeu que Victouf a adopté sur la fin de la partie qui lui a permis de vraiment remonter efficacement. Tout à fait, sachant qu'on est passé sur Small BF, ce qui peut peut-être donner un avantage à Macaroni vu la distance moindre. Ouais, je suis d'accord, entièrement d'accord. Bon choix de terrain. Oh, allez, ça c'est bien joué. C'est encore une fois, Macaroni qui est on point sur toutes les possibilités de sortie de ses combo starters. Les jolis F-tilt trouvés aussi, hein, qui mettent beaucoup de pourcentage. Ouais, c'est carré. Oh, attention! Il est oh, sur un magnifique carré. Il était pas loin de sortir. Oh là là! Le up B qui vient pas trouver l'edge, il était trop court. Tel est pris qu'il croyait prendre. Victouf qui meurt sur une flash death guard. Trop court le B. KO Punch, attention, punch ça pour peut, Macaroni. Ça peut snowball sec là. Macaroni, elle est pieds sur terre, ça peut être dangereux. Ça ok, peut être ok. Victouf qui essaye de trouver une porte de sortie. Qui essaie de s'échapper. Oh là là. Il sait qu'à tout moment, c'était le KO Punch a été enlevé, mais il sait qu'à tout moment, il peut sortir. Oh non, il n'a plus de saut. Non, il n'a plus de saut, il est allé bien. Mauvaise appréhension de la quantité d'options restantes de la part de Macaroni, c'est pas grave. C'est serré. C'est serré, mais léger avantage de Mac. Ouais, clairement, il continue de le montrer. Down tilt, side B. C'est trop, ça régale. L'armure sur le ballon, qui régale. Les 80% déjà pour Wi-Fi. Ça va très vite, ça va très vite. Le Macaroni, il déconne pas, hein, il met des vrais baffes. Ah non, c'est patate de forain sur patate de forain là, ça déglingue tout. Il en a rien à cirer des ballons, il a l'armure. J'apprécie quand même le fait qu'il arrive toujours à trouver un style bien placé. Ouais, il est très précis sur son spécial au sol. Ok, ça fait peur, la vitesse de Mac, attention, quand est-ce qu'il va venir. Ah, pop, pop. Oh, joli pari. Ouais, le temps de dashback puis F-tilt. Ça va vraiment vite. Oh là. Pas sur la plateforme, ok, sortie de dash trap pour Victouf. Il revient en neutral. Le neutral, c'est avantageux. A priori, Wi-Fi, mais le cas. Oh. Le KO Punch, j'ai raté. Il n'y a eu aucune punition, pas de réaction, c'est dommage. Je sais qu'il y a une petite technique qui permet de faire le KO Punch comme si c'était sur le terrain à partir des airs. Par contre, le très bien trouvé au niveau du ledge. Très, très bien trouvé. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi dans le chat, mais... Tosticard, Jazz sans le pâté, bon, globalement d'accord. Globalement d'accord. Alors, donc, le match. Macaroni qui est en lead. Macaroni qui, pour l'instant, la tête, encore une fois. Il est vraiment très on point. Hein. Il attend, il est d'une patience. Une patience et une explosivité. On ne sait pas trop pour les informations du joueur, mais... Il y a certaines informations qu'il prend très bien, Macaroni. Ok, les trap, voilà. Dommage, le up smash. Ok. Les pourcentages sont élevés du côté Mac de Macaroni. Il revient sur le terrain, un coup de grande zéro directionnelle. Ok. Ouh, le back il était vraiment bien senti. Ouais. Dommage que ça n'ait pas touché. Hein. Franchement, oh, il n'y a plus KO Punch, mais bon, on va se faire. Il n'y a plus KO Punch, mais la rage est au max pour Macaroni. Les petits ça peut partir très vite. Qui fait des petites feintes là, tranquillou. Ça part très vite, 91%. Hunter un peu tard, attention. Hunter, est-ce qu'il va mourir là-dessus? Non. Non. Pas de punition. Ballon qui touche. Les ballons à répétition. Pour essayer de sortir Macaroni, il y a encore debout. Hein. Il tient, il arrive à gratter des pourcentages, ah, il arrive à gratter du temps.
de la pression. 216% évidemment pour Little Mac, c'est colossal. Hein. Colossal, à tout moment il met. Voilà. Il explose sur le fer. Tout à fait, il est d'ailleurs dehors. Zéro, voilà. Oh, est-ce qu'il vient clouer le jeu? C'est fini. Macaroni qui a été très on point tout le long du set sur Macaroni, le dernier dash de League 2. J'ai vraiment beaucoup apprécié le fait qu'il a été vraiment très patient.